aussi des challenges qui viennent avec le travail. Bonjour et bienvenue. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign reign. You'll be my guide. So I will call upon you. J'appellerai ton nom, Seigneur, dans toutes les situations. Et je garderai mes yeux au-dessus des vagues. Quand la mer va osciller, ou bien encore... Bonjour. Entrez. Je mets la paix sur vous. Que cette paix puisse vous donner de la grâce, de la patience. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais tellement attendu. Voilà, c'est là-bas. Si tu peux checker au moins ça. Je mets la paix sur vous. Comme nous commençons ce direct, je déclare qu'aucune arme qui a été forgée contre vous ne va prospérer. Nous sommes au troisième jour de jeûne aujourd'hui. Et tu n'avais pas allumé. C'est le classement. En plus, j'aime pas bien d'allumer. Comme tu as passé le classement. Oui, oui, oui. En plus, c'est le classement. Mmh. Mmh. C'est pas très compliqué comme elle est. Je vais faire une dame avec ça. Vous savez, vous allez commencer à comprendre que tout ce qui vous concerne est calibré. Tout ce qui vous concerne. Quand je suis née, je ne savais pas que j'ai une destinée. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie que je peux influencer une personne. Larissa Carole, bonjour. Je n'ai jamais imaginé toute ma vie que je peux parler, ça aide quelqu'un. Je parle, je sais que vous vous dites que bon, vous êtes arrivé sur ma page par hasard. Il y a une bataille sur ta destinée. On te cherche. J'ai pas moi fini l'école. Hein. J'ai pas fini l'école. Je suis arrivée en Europe. J'ai fait des années sans avoir de papier. Passé 7 ans sans papier. Si j'arrive même en Belgique, je veux mentir même à l'aéroport. Tellement de personnes me connaissent maintenant sur les réseaux sociaux que je ne peux même pas mentir quelque part. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai rencontré quelqu'un hier pour un projet. La personne m'a même parlé de mon histoire. Quelqu'un qui est très connu au Cameroun, qui est très connu à l'international pour son travail. Moi, j'ai grandi avec une estime de moi. J'étais d'abord très mince. On m'appelait toujours le balai dans ma famille. On m'appelait le balai. Je ne sais pas pourquoi. Miss Batombe, papa ne va pas en talkie-walkie.
Dans ma famille, j'étais, on m'appelait Balai, Menso, je ne sais pas ce que je peux dire. Et mes lunettes d'avant n'étaient pas très jolies à porter. C'était... Oui. Merci. CRM, annoncé dans les groupes que je suis en direct. Ouvre la porte là. Tu n'as pas besoin d'une autre personne, ça va aller avec lui. Voici laquelle la voiture est, si vous avez besoin de prendre la voiture. Alors, venez fermer ma porte. Bon, c'est bon, ils sont sortis. Je n'avais pas imaginé, personnellement, je n'avais pas imaginé que quelqu'un peut rester comme ça là, il me regarde, il dit. Je n'avais pas imaginé que, parce que je pas tout le lycée bilingue de Bafoussam. Je crois qu'à l'époque, la pension là-bas, je ne sais pas combien c'était. Peut-être 10 000, je crois. Donc ma scolarité, c'est pas comme si je suis parti d'une école. Et à l'école, j'étais moyenne. Ok, 12, quand j'avais 12, c'était bon. Quand j'avais 13, c'était bon. Quand j'avais 10, c'était bon. J'arrive en Belgique. Merci. Toi aussi, tu étais la plus mince de ta famille. Je ne ferai pas les petits kits. Tu as suivi, ma chérie. Mes produits vont rester au même prix. Si tu veux mon produit et que ça va t'aider, tu vas rassembler mes 80 000 pour le kit. Tu vas venir payer. Dans les autres pays, c'est 100 000, 115 000. Je suis ma chérie. Je ne baisserai pas le prix. Je vous apporte plus que le kit. La valeur que je vous apporte est plus. Je vous ai toujours dit, si tu m'écoutes, paye ton crédit. Écoute mes vidéos. Si tu fais ça pendant 2 mois, ton argent n'augmente pas. Désabonne-toi. Si sur tout l'argent là, je te, ne me fais même pas d'offrande parce que vous êtes chiche de nature. Viens acheter un produit. Tu vas voir comment ça va t'envoyer une autre dimension. Maintenant, si tu ne peux pas faire ça, pas de problème, tu n'es pas ma personne. Qu'est-ce que je pense du doigt qui est sur ma main? Rien du tout. Ça ne donne pas l'argent. Je ne pars pas à la banque monter mon doigt, ça me donne l'argent. Ok? Mes pensées sont comme ça. Voilà. Donc, je disais que j'ai commencé ma vie. Je suis partie au lycée bilingue de Bafoussam, Libibaf. Après ça, je suis partie en Guayaquil, j'ai fait 2 ans. À l'amphi 1000, l'amphithéâtre 1000. J'ai fait biochimie. 2004 à 2005, 2005 à 2006, j'ai fait 2 ans. Je ne peux pas te dire que j'avais un argent particulier. Si tu es au Congo, on envoie les affaires à Kinshasa. Je vous parle du kit. Non, je vais vous parler de mon histoire. N'achetez pas mes kits. Je vais vous parler, vous n'allez pas acheter. Tu as compris? La raison pour laquelle je me pointe, c'est que vous parlez de mes produits, c'est parce que vous n'achetez pas. Mes vrais clients achètent mes produits. Tu as compris, Olympe? Si tu attends ça pour acheter, je ne parle pas. N'achète pas. Ok? Voilà. Pour me laisser. N'achète pas. Je continue mon histoire. Mon histoire me plaît. Je vais parler de mon histoire. Donc, je vais passer mon temps ici là. Acheter, acheter, acheter. N'achetez pas. Voilà. Le volume était bon. Je continue. Mon magasin est à Louis, au Gabon. Je donne le numéro 074-18-00-80 à la montée de Louis. 074-18-00-80. Tu es intéressé, tu écris ou tu appelles ou tu parles là-bas. Ok? Votre problème, c'est que vous êtes toujours assis. Vous êtes assis, vous ne voulez rien faire. Vous ne vous bougez pas. Moi, je suis.
Quand on voit physiquement, il parle toujours comme ça. Moi, il parle toujours comme ça. Je suis caché terre à terre. Voilà. Voilà. Donc, tu disais que quand tu étais petit, tu étais très mince. On t'appelait la mystique. Je vous ai dit au départ que vous n'êtes pas tombé sur ma page par hasard. Quand c'est, je dis que vous n'êtes pas tombé sur ma page par hasard. Vous devez comprendre que je sais que c'est difficile pour les gens de croire. Reine Jocelyne Gift, c'est un compte arnaqueur. Il y a des arnaqueurs qui utilisent mon image. Si vous tombez sur eux et vous payez de l'argent là-bas, c'est votre problème. Si l'arnaqueur travaille sur vous, ça marche, tant mieux. Mais ce n'est pas moi. Reine Jocelyne Gift, ce n'est pas moi. Il y a des faux comptes qui prennent mes vidéos, ils mettent là-bas. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais avant que vous veniez avec vos questions. Groupe publication, écrivez sur la page à nouveau qu'il y a les arnaqueurs qui se baladent en ligne avec ma photo sur leur profil. Merci. D'accord, madame. Je me demande si je suis jumelle. Ou même aussi. Tu tombes sur ma page, je suis en direct dessus. Tu peux avoir une autre page où tu ne trouves aucune vidéo ou quelqu'un en direct. Vous-même là, vous aimez qu'on vous escroque. Faut quitter là-bas. Hey, les clients aiment trop qu'on marche derrière eux. Parce que vous n'avez pas fait le common sense. Pardon, ils ne me fâchent même pas encore. Continuons. Papa, moi, tu restes. Je poste mes choses en Europe. Je poste mes choses en Europe. Parfois, tu restes. Tu es tellement persécuté. Et même si ce n'est pas quelqu'un qui te persécute, tu t'assois dans la maison comme ça. Les batailles mentales. Les batailles mentales. Bataille. Tu dois croire que le diable te connaît. Tu dois croire. Le diable te connaît. Et il y a quelque chose que tu dois accomplir que le diable ne veut pas que tu fasses. J'ai un de mes employés ici. Depuis 4 jours, 5 jours. Mais il fait tout de travers. Tout de travers. TikTok, vous ne m'entendez pas. Il fait tout de travers. Je lui donne les avertissements à ceci. Il dit, mais c'est comment on se comprend pourquoi? Il vient me dire que je sens que je suis attaqué. Moi-même, je sais. Que moi-même, je sais. Je lui ai donné le truc hier, que lave-toi avec. Lave-toi. Lave-toi. Parfois, vous restez comme ça. Ma connexion n'aime pas trop. J'ai Starlink ici chez moi, mais ma connexion n'aime pas. Tu restes comme ça là. Je t'ai dit que je suis même qui? Qu'est-ce que les gens... quelqu'un peut même me détester. Pourquoi? J'ai même quoi? Vous me voyez aujourd'hui, je parle, ça vous aide, non? Je suis arrivé en Angleterre en 2008.
T'es juste une petite fille de 21 ans. Comme ça. Sans diplôme. Et vous savez qu'en Europe, quand tu n'as pas de diplôme, est-ce que mon live bug sur TikTok sur tous les comptes, sur tout le monde? Répondez-moi. Peut-être c'est le téléphone de Olympe seulement. Si TikTok ne va pas, vous partez sur Facebook. Parce que je ne vais pas m'interrompre tout le temps pour vous parler aux gens de TikTok. Il y a des guides diggers et il y a... Ok, bon, TikTok. Ceux qui peuvent rester, vous restez. Ceux qui ne peuvent pas, vous partez sur Facebook. Je ne peux pas arrêter ma vie à cause de vous. Mon nom sur Facebook, je suis en direct sur Facebook. Allez là-bas, vous cherchez Facebook. Si vous ne cherchez pas, vous laissez. Ça bug, vous choppez, vous buvez l'eau. Votre cœur reste ouvert. Ok? Ok, je continue. Et fait un direct, je ne peux pas parler parce que vous plaignez seulement. C'est quoi? Idrissa, bonjour. Quand j'étais en Angleterre, j'étais cette jeune fille-là, sans diplôme, sans papier vraiment, avec un manque de confiance en soi énorme. Qui ne connaissait pas les injustices qu'elle devait subir. Qui ne connaissait pas ce qui l'attendait. Mais qui avait une sorte de conviction. Que je sais que je suis censé toucher les gens. Je sais que je vais aider les gens. Je sais. Si ça dérange, vous partez sur Facebook, sur la page Reine Lumière. Je suis en direct là-bas, ça ne dérange pas là-bas. Si vous ne pouvez pas partir, vous laissez. Voilà. Si ça bug, partez, déconnectez-vous. Bon, je vais arrêter TikTok. Parce que vous me saturez, c'est quoi? Tout le monde, ça bug. Je mange les bugs. Tu mets une vidéo, je fais 15 minutes, je n'arrive pas à parler parce que les gens ont doit dire que ça veut. Vous partez sur l'autre plateforme. J'aimerais bien parler en privé avec vous, s'il vous plaît. Je vous suis depuis un moment. Pour le petit doigt, pas question d'argent, mais juste que je me disais que ceux qui portent une particularité peut-être. Pardon, laissez-moi. J'ai un ami qui faisait le fétiche pour avoir et normalement comme moi je suis au bureau normalement c'est 2 ans 3 ans ou c'est pas tellement mais elle peut prendre la limite en 1 an donc elle fait si vous demandez comme si c'est bureau demandez beaucoup de moi c'est mieux de causer avec elle une fois non je peux pas l'aider je n'aide pas les gens qui sont allés chercher les choses. Attends, je te chasse d'abord de ma page. Voilà. Quand t'es chez les fétiches, là, ne venez pas me voir. Je suis pas dedans. Pendant toutes ces années, quand je traversais ces hauts et ces bas, la chose principale que j'ai remarqué que l'ennemi fait, il frappe ta confiance en toi. Il va frapper qui tu crois que tu es. Soit il va te mettre dans un pays où tu n'auras pas de papier, tu n'auras pas de personnalité, tu n'auras pas de... Tu vois un peu quand tu es en Bengue, on te simplifie tous les jours, partout où tu passes, on te dit bon voilà. Nous sommes désolés madame, nous ne pouvons pas. La deuxième chose qu'il va mettre, c'est l'échec apparent. Je précise l'échec apparent parce que l'ennemi va jouer sur votre mental. Et je sais que tu vas te dire, mais attends, je suis qui, j'ai quoi? Pourquoi l'ennemi va venir s'acharner sur moi? Pourquoi il va prêter attention à moi? Le business qu'il y a dans ta tête que tu veux faire là, le business là, ça va aider les gens. L'orphelinat que tu veux faire là, ça va aider les gens. Et il connaît.
L'ennemi connaît ce que tu veux faire, même avant toi-même. Oui. L'ennemi connaît. Du moment où tu es là comme ça, tu t'es recroquevillé. Je ne prie pas pour ta promotion, Marcel. Tu t'es recroquevillé dans un petit appartement, une petite chambre quelque part. Tu ne postes plus. Parce que tu as commencé à poster. On a dit, ok, elle veut montrer qu'elle connaît. Elle veut montrer que... Un des signes qui va te permettre de comprendre que tu es sur la bonne direction, c'est l'adversité. Il y a l'adversité qui est bien. Il y a l'adversité qui n'a, c'est toi-même qui a cherché. L'adversité qui est bien. Tu te lèves. Dieu te dit, ouvre un salon de coiffure. Commence à faire les vidéos où tu vas sensibiliser les gens. Tu commences. Ta caméra se casse. Ton téléphone se casse. Donc, la semaine où tu as commencé, Samuel, merci. Comme tu as commencé et tu as eu le frein, parfois tu commences à faire des vidéos pour sensibiliser les gens. Pas les vidéos où tu danses, tu montes tes seins aux gens, tu montes ton derrière, tu fais les trains, comme ça, les petits dés. Non. Mais quelque chose où tu apportes de la valeur. On te renvoie même du boulot. Ton gars même, il te quitte. Parfois tu commences ton travail spirituel, ton gars te quitte. Celui sur qui tu comptais. Oui. Voilà un signe qui te montre que tu es sur le bon chemin. Vous savez, il y a la paralysie du sommeil. Je pense aussi qu'il y a même la paralysie des réseaux sociaux. C'est quoi la paralysie des réseaux sociaux? C'est le fait d'être immobilisé, cloîtré sur son téléphone pendant des heures. Ce que tu regardes ne t'apporte rien. Tu n'interagis pas. Et à chaque fois que tu es en train de regarder quelque chose, tu te dis qu'il sort de là, arrête ça maintenant, arrête. Fais plutôt comme ça, fais comme ça. L'ennemi va vous chercher. Quand tu dis, je veux ouvrir mes dons, je veux aider les gens, je veux... Sache que tu es en train de t'aventurer sur un chemin que d'abord, il est très peu parcouru. Les gens aujourd'hui n'aiment pas être dérangés. Les gens aujourd'hui ne veulent pas se déranger pour quoi que ce soit. Donc quand toi, tu dis que tu vas apporter de la valeur, je vais créer une école de ceci, je vais faire un truc de ceci, c'est là que tu vas voir. J'ai dit que quoi? C'est là que tu vas voir. Et l'ennemi te cherche. L'ennemi te cherche. Le but, comme tu as dit Clémence, il veut toucher ton moral. Donc voilà, tu es ici là depuis les États-Unis, tu n'as pas les papiers, ça fait 14 ans. Tu n'es moins que rien. Tu vas jamais, rien ne va réussir dans ta vie. Ça joue dans ta tête. Tu fais les vidéos que qui va regarder. Regarde comment tu parles. Regarde, tu n'es même pas belle. Tu as des boutons. L'ennemi peut lancer les boutons sur ton visage. Mais oui, ton gars te quitte, il dit, c'est la spiritualité là qui va régler les factures et prendre soin de toi et de tes enfants. Fais un choix entre lui ou la spiritualité.
Oh, tu sais que c'est ton appel, tu sais que c'est ta mission. Ton challenge ne commence pas parce que tu as décidé que tu vas aider les gens. C'est depuis la naissance qu'on te bloque. De rien, Kwasi Kubunya. Tes problèmes ont commencé de from. Quand tu es né, on t'a bloqué. Parce que quand on parle, vous ne comprenez pas. Tes problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Le fait déjà que tu sois resté chez ton père, tu es grandi dans la pauvreté dans laquelle tu as grandi, tu es illettré aujourd'hui. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas été ouverte. C'est déjà une attaque. Donc, moi, je n'ai pas besoin de faire d'être spirituel. Non. Tu ne devais même pas faire ton bac là où tu as fait là. Tu vas dans une grande école. Peut-être dans une autre ville ou dans un autre pays. Ils ont été acceptés. Donc voilà que tu commences un peu, tu te laves déjà un peu au sel. Hein? Tu commences à écouter les vidéos qui te font croire que tu peux faire quelque chose. Tu crois qu'on va te laisser? La spiritualité, c'est au-delà des astuces. On traverse les astuces. On arrive dans l'étape où tu te dis que ton pied, mon pied. Tant que je ne réussis pas, je ne m'arrête pas. Que I will not let you go until you bless me. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Mais bon, vous disiez pas, il ne s'agit pas seulement du sel. Il ne s'agit pas seulement du nourrir. Qu'est-ce que tu mets derrière ton lavage au sel? Qu'est-ce que tu dis derrière ton lavage au sel? Et tu dois évoluer, tu dois grandir. Parce que la façon dont tu résistais aux attaques de l'ennemi l'année passée, il y en a parmi vous, vous ne jeûniez pas avant. Tu ne faisais pas les jeûnes avant. Et ça marchait. Tu ne priais pas tant que ça avant. Ça marchait. Maintenant, tu fais la même chose que j'étais l'année passée. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que tu as une autre dimension. Je vous libère de toute immobilisation dans laquelle on vous a mis. Je vous libère de toute immobilisation. Si tu veux, tu passes ton temps à dire que c'est dur, c'est ton problème. Je parle à cette montagne. Pousse-toi de là. Va te jeter dans la mer et ne reviens plus. Tu ne parles pas de ta situation que tu crois que quoi. Tu attends. Tu attends. Et là, tu restes. On te fait des promesses, on ne donne pas. On te promet, on ne donne pas. Quand quelqu'un te... Quand tu as une promesse qui n'aboutit pas, premier message, tu n'es pas assez... Ce que tu as fait, c'était un peu. Deuxième, tu abandonnes trop vite. Comme ça n'aboutit pas là, qu'est-ce que tu dis? Bon, voilà, ça n'a pas marché. Peut-être que dans 6 ans encore. Quoi? Quoi? Tu abandonnes que tu es à mort. Parce que tant que tu es vivant, le diable va t'attaquer. Et toi, tu es vivant, tu abandonnes quoi? Que c'est quand elle veut me coucher, le secret que je vais abandonner. Mais pour l'instant, tant que je respire, tant que je respire, tu vas me trouver en train de faire. Je laisse le temps de Dieu. On va voir ce que le Dieu... Hey, pardon. Lève-toi. Lève-toi. Levez-vous. Quand une porte se ferme, parce que le Seigneur est en train de t'ouvrir un portail,
Mes plus grandes œuvres jusqu'aujourd'hui, c'est les choses que j'ai faites quand j'étais bloquée le plus. J'arrive quelque part, avec mon petit, ma petite façon de faire le business. On me bloque. Je veux pousser, on me bloque. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je cherche. 2-3 jours plus tard. Waouh! Donc je pouvais faire ça comme ça, à cette échelle ici, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai transformé un blocage. Hein? Un mois de transport. Mon barrage, j'ai pris la pirogue. Je suis montée dessus. Oui. Quand la porte se ferme, là, ce n'est pas facile. Hein? Pour me parler, vous écrivez au numéro suivant. J'ai vu un monsieur célèbre hier, il m'a dit qu'il n'arrive pas à me joindre, voilà, s'il vous plaît. Je suis joignable. Ok? 237 693 50 22 66. Vous demandez le service VIP. Et quand tu passes en VIP, assure-toi que tu te laves déjà au sel. Parle à tes guides que la femme-ci doit me parler. Le volume est bon. La femme-ci doit me parler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous abandonnez trop. J'ai essayé ton contact, je n'ai pas pu. Tu as laissé, n'est-ce pas? Vous abandonnez souvent trop vite. Vous abandonnez souvent trop vite. Les inventions ont été faites quand les gens sont tombés sur des non, nous sommes désolés. Non, pas maintenant. Non, madame, vous n'entrez pas. Tu cales au Maroc là-bas, tu développes quelque chose. Tu es au Maroc comme ça, là, on dit que tu n'entres pas en Bénin. Tu dis ok. Tu lances une entreprise là-bas au Maroc. Ah, tu sais, les gens ici n'achètent pas. Hein? Les gens ici sont racistes. Hein? Hein? Continue à dire ce que les gens disent. Continue à dire ce qu'on dit. Ça va être la prophétie sur ta vie. C'est comme ça que vous doutez de vous. Vous ne connaissez pas l'influence que vous avez sur les gens. Vous ne connaissez pas ce que vous portez. Vous ne... Hey, réveillez-vous aujourd'hui. Le troisième jour de jeûne-ci, tes vues doivent augmenter sur le net. Viens t'inscrire dans mes vidéos. Tu mets ma vidéo, tu écoutes. Vu que ton énergie est pompée, tu lances ta parole direct. Tu vas voir. Vous parlez de quoi? Tu ne dois pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Tu abandonnes quoi? Je rencontre un monsieur, il me dit, je vous suis depuis et je me suis dit, comment est-ce qu'une femme peut, une femme comme elle peut faire ce qu'elle dit qu'elle fait? Il dit, mais au fil du temps, à force de vous écouter, vous êtes cohérente. Ce que vous dites est cohérent. Il dit, oui, monsieur. Parce que le début de la conversation, c'était quoi? Généralement, les hommes ne m'aiment pas. Quand j'arrive quelque part, je vous ai parlé d'une femme que j'ai rencontrée une fois dans la... on allait à Libreville. Et durant tout le vol, elle ne me parle pas. Quand on atterrit, elle était juste derrière moi. Quand on atterrit, son mari se lève, il avance. Elle reste derrière, elle dit, je vous connais. Et par la chance divine, dans la voiture qui nous a transporté de l'avion à l'entrée de l'aéroport, elle s'assise à côté de moi, son mari était devant nous. Elle prend son téléphone, elle écrit que je vous connais, j'ai payé ma dîme une fois sur le net.
sur votre sujet, père m'a dit chez vous. Mon mari a vu. Il m'a interdit de vous suivre. Il m'a interdit. Il m'a grondé. On a eu des problèmes à la maison. Après, elle fait. Elle dit que c'est lui. Elle me pointe son mari. J'ai ri. Elle dit qu'effectivement, la majorité des hommes ne m'aiment pas. Parce que ce que je fais. Les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Je pense que j'éveille. Je pense que j'éveille les consciences des femmes. Et parfois ça peut déranger. Parfois ça peut déranger certains hommes. Et je précise, ça dérange les hommes qui veulent intimider leurs femmes. Parce que c'est pas tout homme avec lequel tu te mets qui veut ton bien. C'est pas tout homme avec lequel tu te mets, tu t'assois, qui veut ton bien. Ce n'est pas tout homme que vous sortez ensemble comme ça, jusqu'à... non. Il peut te dire, je veux ton bien, mais en pratique, est-ce qu'il le veut? Allô? Bonjour, bonjour. Je suis en direct. Je vais nettement mieux aujourd'hui. Tu es de quel côté? D'accord, je vais finir, je vais venir. D'accord, je te remercie. Oui. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce qu'il a, il a dit? Il dit que la richesse, oui. Pour trouver ça, d'abord, c'est la mort. Je savais. Et que si on commande même, ça peut venir casser. Il va quand même filmer le machin. Oui. Il va envoyer. Mais il dit que le minimum que les gars peuvent prendre, c'est 5 ans. Oui. Il dit qu'à partir des 55, 60 marchés pour ça, c'est très difficile. Télévision de 70 pouces, Dieu m'a envoyé sur ça. Hey! Ça va, non? J'ai compris. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais ça, je ne vais pas envoyer. Oui. Parlez, vous le demandez. Ça va, je veux plus. Il faut seulement porter un papier, déposer quelque part. Parce que vraiment. Il faut chercher là où tu demandes ce qu'on peut en faire. Vraiment, parce que je ne veux pas encore sortir un autre 500 000 seulement pour arranger ça. Je vais retirer. Le problème, c'est que j'avais déposé. J'ai fait venir ça de l'autre côté. J'ai payé le transport. Hey! Non, les gens, ils vont faire quelque chose. Pardon, pas déjà accepté. Mon cœur reste ouvert. C'est bon. Bon, merci, non, tout à l'heure. D'accord. Voilà, mais ma part, le coup. Le coup de chaque jour. La méchanceté existe. Hein. Il y a tellement de coups parfois que... Non, ça va, j'en ai pas besoin ici. Demande à Miss Ngo, c'est elle qui m'a donné la rallonge hier. Donc demande-lui si elle en a besoin. Pardon, attendez, je finis avec un truc là. J'ai un truc important à faire.
Je dois aller, il y a un commissariat à la gare. Donc, appelle monsieur Abès. Tu lui dis d'imprimer ça. On va aller faire ça ensemble. Et il doit me trouver ici, là, à Makepe. Il m'amène en moto. Il n'aime pas trop fonctionner à Douala avec... pas trop fonctionner avec la voiture. Émilie, je vais bien. Merci. Bon, revenons à nos moutons. Ok. Nos hommes... nous hommes vous détestent car vous nous ouvrez les yeux. Le mien par rapport à vous a fait fort, à l'extrême même. Mais pour une fois dans ma vie, j'étais radicale. Vous n'avez même pas idée. Si seulement ce que je vous disais, c'était genre... trompe ton mari, cherche le sugar daddy. Si je vous disais, oh non, il faut chercher l'homme qui est riche, les hommes pouvaient se plaindre. Mais je pense pas que je me suis amise ici un jour jusqu'à vous dire que il faut chercher l'homme qui est riche. Il faut. Quand le gars vient dire que je veux l'homme qui est riche, vous connaissez, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? Nativa, bonjour. J'attends que vous répondiez. Si vous ne répondez pas, ce qu'on a en direct qui n'est pas interactif. Et du coup, je crois que je dois faire mes choses. J'ai des trucs à faire en ville jusqu'à. Je ne comprends pas comment tu dis que les femmes appliquent mes conseils. Hervé dit que les femmes appliquent mes conseils de la mauvaise manière. Et c'est souvent ça qui crée le problème dans leur foyer. Comment quelqu'un peut mal appliquer mon projet, mon conseil? Si il dit à une femme, peut-être que tu es à la maison, tu as 3 enfants. Fais même les beignets, tu vends. Fais même le foulerie, tu mets dans le congélateur, tu vends. Je ne vois pas comment ça peut faire les points à son mari. À moins que l'homme ne veuille pas qu'elle touche l'argent avec sa main. Et vous savez quand même qu'il y a des hommes qui aiment quand leurs femmes sont prisonnières, non? En cette période-ci, là, vous êtes en upgrade. Vous êtes dans une période où vous devez changer de niveau. La veste est provoquée par soi-même et celle qui était naturelle. La veste qui est provoquée par soi-même, c'est quand les ancêtres parlent, tu n'écoutes pas. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, tu dois tout checker. Ce que, ok, si je sens un mur, est-ce que je dois pousser? David, quand il partait en bataille, David disait toujours, est-ce que je dois attaquer? Oui, c'est ça que moi-même je vois. Donne-moi le numéro de la dame alors, la dame de la gare, donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Est-ce que je dois avancer? Si Dieu dit avance, là tu pousses. Parce que réussir à faire ce que Dieu a dit que tu es censé faire, ça ne se passera pas dans le confort. Je sais que les pasteurs vous disent souvent, non, attends, le Seigneur le fera. Oh, non, non. Écoutez bien, tes amis vont t'abandonner. Tu vas abandonner certains amis.
tu vas abandonner certains amis. Certains amis vont t'abandonner. Certains gars vont venir, ils vont t'abandonner. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tout ça, c'est aussi pour que tu t'élèves. Supposons que tu es quelque part, tu travailles avec quelqu'un. À un moment, la personne te dit que c'est bon, on arrête ici, on ne travaille plus ensemble. Tu as deux mindsets. Seigneur, est-ce que ça c'est une opportunité pour voir grand? Est-ce que c'est une opportunité pour me mettre à mon compte? Est-ce que c'est une opportunité pour faire mieux? Peut-être avant, le boulot que je pouvais demander, c'était serveuse. Cette personne m'a pris, elle m'a mis comme gérante, manager. Maintenant qu'elle arrête de travailler avec moi, j'ai déjà été manager chez elle. Est-ce que c'est possible pour moi d'aller quelque part et d'être manager? Ça veut dire qu'en l'espace d'un an, deux ans, je suis quitté de serveuse mentalement à manager mentalement. Donc c'est une opportunité pour toi. Malheureusement, l'homme là, il était méchant. Il maltraite même ses employés. Vraiment, j'ai perdu mon temps là-bas. Vous voyez qu'il y a une situation qui se passe et la personne a interprété de deux façons différentes. Le monsieur, ton mari te quitte, c'était ton troisième mariage. Tu as eu quatre enfants avec deux... Non, tu as eu quatre enfants avec six hommes différents. J'aime bien ça. Tu as eu quatre... Donc, six baby daddy et quatre enfants dans ta main. Tu vois, non? Quand comme là, il y a eu Vanessa quelque chose là, je ne veux pas prononcer son nom total. Mais elle est tombée enceinte une fois de plus et les gens étaient en train de bavarder en ligne. Vous ne savez pas que ce sont les échecs de la femme là qui la construisent. Je vous assure. Quand la femme va sortir de l'autre cela, vous allez voir. Un jour, elle va devenir président de la République dans son pays. Je vous assure. Quand les gens traversent les épreuves, on ne veut pas. On les regarde à distance. Yako, que le Seigneur aide. Mais vous ne savez pas que, au sorti de cela, si tu gardes le bon mindset, je me rappelle que j'étais en Belgique. Je suis cette femme depuis au moins la France. Ça fait au moins 6 ans que je la suis. Barthélémy, bonjour. Et je me rappelle quand elle a eu le dernier enfant, je pense. Je regardais un peu, c'est direct. Après, j'ai arrêté parce que j'étais très occupée. Je n'ai parfois pas le temps de suivre d'autres influenceurs. Les gens ont souvent cette idée dans leur tête que si Dieu m'a appelé à faire ça, ce sera vrai. C'est pour ça que quand je commence, si je commence à collaborer avec quelqu'un qui ne veut pas, donc tout ce que je veux savoir, parce que je sais que les personnes qui travaillent avec moi ont de l'adversité. J'ai un collaborateur, ce matin on a eu beaucoup de problèmes. Il me dit, hier il est rentré, son téléphone s'est gâté. On avait coupé la lumière chez eux, son téléphone s'est gâté, je ne sais pas trop quoi. Il était malade la nuit. Parce que l'ennemi veut tester ta volonté. Donc, tu peux même être, ok Seigneur, vraiment, je sais que tu vas toujours appeler de travailler avec la femme si tu travailles à tel endroit. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à travailler là-bas que les choses vont devenir vêtes. C'est justement parce que tu as commencé là-bas que tes choses peuvent se compliquer pendant un bout. Et si tu ne comprends pas ça, j'ai des périodes où mes employés, mais c'est pas évident. Vous justifiez pas, c'est juste que nous grandissons, nous restons les mêmes humbles soumis. Ok, Larissa, j'ai compris, merci. Hier, quand j'écoutais le monsieur, on parlait, à un moment, je me suis dit, parce qu'il voulait que sa copine vienne me voir, la mère de son fils, et elle n'est jamais venue me voir. Il dit qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de problèmes. Je lui ai dit que tu sais, si on s'est même rencontré, c'est là, c'est la volonté des dieux, des ancêtres. Et elle n'aurait jamais pu. Parce que s'asseoir devant moi, il y a des gens qui ont peur de me contacter.
Parce que vous savez que ce qui est en vous qui est faux, là, ça va être exposé. Il y a des personnes que vous arrivez, vous commencez à mentir sur telle personne. Oh, mon mari, il n'est pas gentil, il n'est pas bien. Oh, oh. J'ai des, combien de personnes ont déjà eu à venir demander mes services, mentir sur l'autre personne. C'est plus tard. J'ai dit, oh my goodness. Donc tu mentais. Donc tu mentais. Wonderful. Donc tu mentais. Fais très attention. S'il vous plaît, apportez-moi le téléphone mère là. Merci. 693. D'accord, madame. De qui? Ça va bien, ça va me sonner. Allô? Oui, bonjour, madame. Le téléphone WhatsApp. Tu m'appelles pour demander si tu veux faire les voices. Tu veux faire les voices pourquoi, mamie? Pour me dire quoi? Bah, je suis en direct. Tu as compris? Vous voulez me saturer avec vos voices pourquoi? C'est le téléphone, mais c'est 193 ici là. Non. Non, c'est pas ça que je tiens. Merci. C'est que parfois vous vous dites que si vous commencez à suivre ce que Dieu vous a dit, les choses vont s'améliorer. Impossible. Je viens de résoudre une situation là que j'avais ça. La situation se me tracassait depuis longtemps. Merci Seigneur. Parfois, il te faut une idée. Just an idea. Just like that, she's off the market. Ma fiancée. Ma fiancée. Salut, monsieur Abès. Je pense que voilà le numéro d'enregistrement de ma carte. Donc, monsieur Lecombe, on va imprimer quelque chose, il va te donner, tu vas aller légaliser ça là-bas. Et tu évites les femmes qui veulent faire les problèmes là, tu les évites, pardon. Arrive là-bas, tu mets même les lunettes, tu fais comme si tu ne les connaissais pas. Merci. Bon, dis-lui de contacter Madame Andoum, tu me dis combien ça va faire en France, CFA. Comme ça, vous allez ici vous déposer dans son compte. Voilà. Donc, tu dois M. Lecombe de la contacter. Il prend ses détails bancaires. Non, ne la contactez pas. Je vais le faire moi-même parce que vraiment, là, attendez, je vais l'appeler. La conversation avec vous, parfois, c'est un peu compliqué. Si une femme commence à faire un business et cela marche correctement, certaines d'entre elles vont commencer à être arrogantes envers leur mari. Au lieu de soutenir leur mari, c'est dans le sens que je parlais. Ok, d'accord, d'accord. Je comprends, M. Hervé, je comprends. Bon, M. Hervé, regardez. Je vais un peu prendre, c'est un sujet très sensible. Monsieur Hervé, vous savez, ce n'est pas toutes les femmes, tous les hommes, pardon. Je vais même dire quoi, tous les partenaires qui veulent avancer. Parfois, tu te maries avec quelqu'un, vous vous mettez ensemble, vous avez des enfants ensemble, on va dire, sans vous marier, vous avez des enfants ensemble. Et la personne est contente avec le standing où elle est. Toi, tu veux monter. Moi, mes conseils, c'est pour vous aider à sortir de là où vous êtes pour avancer. Maintenant, je vous assure, il y a des maris sorciers. Il y a des femmes sorcières. Jusqu'à la femme, même la promotion, on veut l'envoyer faire un stage de 6 mois au Canada. Le mari dit, tu ne bouges pas. Parce qu'il s'est dit, et elle s'est dit, si je pars là-bas, je trouve mon situation. J'ai fait nos papiers, on vient. Lui ne veut pas avancer.
C'est pour ça que tu sois marié ou pas, cherche à te découvrir. Cherche à te découvrir. Tu me suis. Cherche à te découvrir. Ok, monsieur Lénon, pour réparer l'affaire là, c'est 500 000. Et on n'est même pas sûr si ça va arriver ou pas. Bon, donc, comme ce truc ça a coûté 600 000, je vais diviser la poire en deux. Tu vas prendre 300 000 sur toi. Voilà. C'est le mieux que je puisse faire. Vouloir être mieux dans la vie, ce n'est pas un péché. Je vous dis toujours, la raison pour laquelle je vous parle toujours de comment j'ai commencé, c'est pour que vous compreniez que tu peux être au fond du fond, donc dans le niveau moins 5. Tu quittes du niveau là, tu montes. Tu quittes de là-bas, tu montes. S'il vous plaît, dites à M. Abessolo de se connecter, je lui fais un message. Vous me suivez? Tu quittes de là, tu montes. Tu montes. Tu montes. Et quand tu sais déjà que tu peux monter, rien ne peut venir te faire descendre. Parce que même si on te fait descendre, on te fait reculer, ok? De deux pas. Tu sais que demain, j'avance. Tu sais que demain, j'avance. Et vous devez faire l'effort, je dis bien l'effort, de ne pas laisser les gens. On n'est pas né avec son mari. Tu me suis? Tu n'es pas né avec ton mari. Vous êtes né chacun, vous vous êtes rencontrés. Vous avez jugé que mon état d'esprit, elle, c'est là 10 ans qu'on a été rencontrés. Toi, elle, c'est là 10 ans. On allait ensemble. Maintenant, si je ne fais pas l'effort de travailler sur moi, et le développement personnel, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas genre, j'ai la licence, toi tu as seulement le bac, je ne suis plus avec toi. Non. C'est le fait de se développer, s'ouvrir, grandir. Vous suivez? Le volume est bon. Vous qui m'écoutez, toi, il y a cela 2 mois et toi, maintenant, tu n'es plus la même personne. Je dépose les bonnes questions dans ton esprit. Quand il parle, là, tes idées se mettent en place. Et tu sais. Donc, tu vois, quand tu m'écoutes 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelqu'un qui m'écoute 6 mois, hein, et il nous demande, ça nous dit souvent que si tu m'écoutes pendant 6 mois, ta vie n'a pas changé. Désabonne-toi. Ne me suis plus. Ne me suis plus. Peut-être que tu es sorcier. Tu as la sorcellerie. Je ne sais pas.
Les clients eux-mêmes à qui on a envoyé, ils ont dit quoi? C'est quel colis? Quel et quel? Parce que moi, je ne dépenserai pas 72 000. Parce qu'il faut, dépenser 72 000, il faut encore reposter. Donc, mais t'as vous laissé ça là-bas, je ne sais aucun agent. Ne blaguez pas, ne blaguez pas. Les gens vous cherchent. On vous fait des problèmes. Et les gens sont très jaloux. Hein. Le fait seulement que quelqu'un... J'ai une fille... Je suis tombée une fois sur elle, je marchais dans un grand hôtel de la place et je tombe sur elle. Elle me dit, je te suis depuis longtemps. Oui. Et je sais que je vais faire beaucoup de choses avec toi. Elle a pris un kit parce qu'elle me suivait toujours, elle ne venait jamais, elle ne tenait jamais de kit. Elle a pris un kit. Comme elle a pris comme ça là. La semaine qui a suivi, ou deux semaines après, son père lui a fait des problèmes. L'appeler, l'insulter. Elle dit que mais papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle a vu dans le rêve comment elle était délivrée. Parce que c'est une personne qui avait été envoûtée par son père. Tu vois, genre le père qui contrôle la destinée de ses enfants là. C'était pas évident. Actuellement, là, elle souffre énormément. Elle souffre beaucoup financièrement. Je lui ai dit, tu sais quoi, ma chérie? Persévère. Tu es en train de traverser tes périodes où... La période où tu te nettoies, hein, quand tu te débarrasses des choses qui te bloquent, c'est très dur. C'est très dur. Parce que l'ennemi sera sur toi. Tu auras l'impression que tes choses ne marchent même pas. Vous parlez de quoi? Est-ce que c'est facile? Salut ma chérie, je dois te faire, je vais te déposer 230 euros ici, parce qu'il faut lui envoyer, il faut donner 230 euros au jeune homme là. Mais il veut faire les envois cet après-midi, donc je vais lui demander de t'appeler pour recevoir les sous. Et en même temps ici, j'envoie qu'on te fasse le transfert sur ton compte. Donc mon transfert arrive maximum dans une heure. Attendez, je vais faire la transaction ici. Terminé. Je dis toujours, quand tu trouves ton chemin, quand tu trouves quand tu trouves ton mari, c'est là que les problèmes vont commencer. Et tout ça, l'ennemi ne veut pas que tu saches qui tu es. Il y en a parmi vous, seulement le fait pour toi de mettre tes genoux au sol comme ça là. Même si c'est la prière de 2 secondes que tu fais sur quelqu'un, ça touche. L'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas. Vous comprenez? Et te voilà.
tu ne peux pas te permettre d'abandonner. Je disais à mes employés ce matin que parfois vous venez, vous voyez le local, si vous voyez ce que je fais, vous voyez comment les gens, quelqu'un peut me contacter. Je lui dis que fais comme ça là. Il sort 500 000, il sort 1 million pour son traitement. Je reviens de loin. Je leur dis toujours ça. J'ai passé des années, 5 à 6 ans, seul ici. Je faisais, personne ne venait. Personne n'achetait. Personne ne regardait. Cette page, si le travail était fait, ça m'a coûté mon mariage. Oui. Ça m'a coûté. Oh là voilà, elle a encore échoué. Elle s'est mariée là, elle n'a pas donné. Vous savez ce que c'est. Tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir comment? Si tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose derrière qui est plus grand que ce que tu vois. Et parfois, les personnes qui sont impliquées connaissent ce que tu portes. Il y a des familles qui viennent doter les filles pour les attacher. Tu as besoin de ton mari, aucun membre de ta belle famille ne s'est jamais pointé pour vous aider. Que la corde qu'on a mis sur ton cou, le collier qu'on t'a mis, les bijoux qu'on t'a acheté pour le mariage, la dot là, c'était des trucs qu'on avait travaillé sur ça. Tu en as le mariage là, tu fanes seulement. Tu fanes. Le jour où tu prends le sel, tu mets dans l'eau pour te laver avec comme ça là, c'est comme si on t'avait sorti d'un trou la nuit. Chacun d'entre vous va monter maintenant son vrai visage. Chacun va se révéler. L'impression que tu as, que tu es en train de te battre contre eux là, ce n'est pas une impression, c'est une bataille réelle. Mes employés souvent, ils voient le cinéma souvent ici. Ils restent souvent, ils voient le cinéma, que maman, on ne comprend pas. Que on ne comprend pas. Je leur dis que vous voyez. Vous voyez non? On ne comprend pas. Parce que quelqu'un est venu ici là, manifester. Le démon en elle a commencé à parler. Raconter comment elle a bloqué la fille depuis qu'elle est petite. Raconter comment elle a bloqué pour qu'elle n'accouche pas depuis. La raison pour laquelle elle a un enfant dans le mariage. Parce qu'on a tout, on a aspiré les enfants qui étaient dans le ventre. Oh là là, voir les beaux enfants brunes comme toi. Les démons savent même que je suis brune. Ils savent. Ah, j'ai une fille venue ici. Je travaille sur elle. Le démon parle, parle. Hein? Elle voulait avoir les enfants bruns comme toi. Elle avait des belles jumelles. On les a pris. Elle croyait que quoi? Elle dit waouh. Elle est enceinte de belles jumelles. Elle allait être brune comme toi. Elle dit what? Ha! Oui, parfois c'est quand tu arrives. C'est quand tu arrives là où ta vie va changer. Oui. Parfois c'est quand tu arrives là où ta vie va changer. Que l'adversité commence. Tu n'as pas le bic? Hein? Tu bois le jus? Non, regarde ton bic. Pas, pas, pas. Il y a des gens qui sont venus souvent pour travailler pour moi. Dès qu'ils entrent dans ma maison. Il y a une, elle est venue, on a fait l'interview, tout, tout, tout. Premier jour de travail, elle est rentrée à la maison. C'était bon. La nuit là, elle est tombée malade ou que comment. Elle n'est plus revenue. Parce qu'ils ont senti que tu es entré dans un endroit où seulement ta présence dans l'espace où je suis, ça va t'aider. Il dit seulement ta présence.
Yves Desbois CRM, veuillez venir. Toi-même, viens alors. Je devais la gronder. Viens dans les gronder. D'accord. Il y a 10 enfants à la maison, c'est que une personne doit préparer pour vendre aux autres. Mais voilà, jusqu'aujourd'hui, personne ne prépare. J'ai dit aux enfants de la maison, c'est de préparer pour vendre aux autres, non. Je vais vous pénaliser. 200 sur ma table, s'il vous plaît. Comme vous ne voulez pas préparer la nourriture, venez vendre entre vous. Regardez les appels manqués. Quelqu'un a appelé sur le téléphone sinon. Vous l'avez rappelé. Oui, madame, on a reçu un message. Un appel normal, pas le... Je ne vois pas. Non, appel normal, c'est une puce que j'ai mis dedans pour pouvoir me connecter. Tu es sûr? Quand je vis, quand il y a la lumière. C'est ma puce. À quelle heure? C'est ma puce. Ça finit par combien? 93, 94, 91. Et que c'est ma puce qu'on a appelée. Qui a sonné le téléphone ici? C'est ta puce, tu as reçu un appel d'un autre téléphone. Oui. Ça va pas, alors pas avec le téléphone, mais une fois. Bye. Les gens me reprochent d'être très carré. Je leur dis toujours, vous ne connaissez pas l'enjeu. Vous qui me regardez, vous ne connaissez pas l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas qu'il y a des familles qui attendent ce que tu es censé faire. Je ne sais pas que dans ta ville, il y a des femmes qui souffrent. Parce que toi, tu as décidé de ne pas vendre les produits spirituels, par exemple. En passant, ceux qui veulent vendre les produits spirituels, vous pouvez désormais travailler avec la Reine Lumière. J'ai plein de personnes qui m'ont demandé. Donc, on fabrique les produits, on met votre étiquette dessus, votre nom de marque. Et on vous envoie. Et vous revendez. J'ai inclus l'entrepreneuriat depuis là. Est-ce qu'ils ont fait? J'ai 20 employés sur le site. Donc si tu prépares 20 plats, tu sais que ton plat au moins est assuré. Ça veut dire que tu ne dépenses plus l'argent pour manger. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore fait. Employé que j'ai là. On est venu vous pardonner cela. Vous êtes devenus les peacocks, n'est-ce pas? Vous êtes les pangons. Vous venez ici montrer votre pelage, vos plumes. Tu es traumatisé de quoi, monsieur? Tu n'as pas l'argent. C'est l'argent qui doit te traumatiser, monsieur. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'être dans la médiocrité que vous devez forcer les autres dans votre entourage à être dans la médiocrité. Et je vous dis toujours, les résultats de votre vie, c'est de votre faute. Tout ce qui est dans votre vie, c'est vous qui avez cherché. Je sais que dans 6 mois, il y en a que vous ne me suivrez plus, ça ne me dérange pas. Comme tu vas sortir là, 10 personnes vont entrer. Certains d'entre vous, je ne vous ai pas encore bloqué, et vous bloquez même certains qui peuvent venir sur ma page. Comme ça que je vois les choses. Un de perdu, 50 de retrouvé, 1000 de retrouvé même. Tente de dire que tu vas jeûner. Je veux jeûner. Oh my goodness. Ah mais j'aurais dû te bloquer depuis. Attends, te bloque. Qu'est-ce que tu fais sur ma page? Perdu. La jalousie, les bâtons dans les roues, toutes ces choses auront toujours pour but entrer, de vous propulser. Ne ferme pas la porte. Entre, tu ne fermes pas. Tu veux quoi? Pardon? So why didn't you write before? Don't even come here like this. Write to me. I'll read and I'll answer. Okay. Thank you.
S'il vous plaît, c'est RM, j'ai besoin des cartes, des noms pour lire les cartes. Je vais faire les lectures, donc apportez-moi peut-être un téléphone. D'accord, madame. Je te bloque parce que tu bois le jus, monsieur. Ça suffit. Je te bloque parce que tu bois le jus. Les conversations vides là. Conversation platonique. Je suis intéressé. Toute personne que vous écoutez et avec qui vous engagez une conversation a le pouvoir de diriger ce que vous pensez. Voilà. Voilà. Siméon dit lui-même. Depuis que je vous écoute autour de moi, je constate un changement même dans les relations superficielles. Ça se différencie. Encore plus de relations motivantes. Voilà. Madame Sienne, pas de problème. Merci. Je vais te trouver une assistante. Pour ça, tu vois, elle va marcher pour toi. Non, ça m'aide. Ok, y'a pas de problème. Ok, on va commencer les lectures. Je suis inspiré à vous faire des lectures de cartes. Que le Seigneur te donne le courage. Ma chérie, il faut seulement faire pardon. Tu as compris. Je suis professionnelle, Karine. Merci, Karine. Bonjour, merci pour la bénédiction, Georgette. Ah, tu as découvert le pain de pipi grâce à moi, d'accord. Ben, le plaisir est pour moi. Allô? Bonjour, monsieur Conan, comment vous allez? Très bien, merci. Le premier, samedi. Le deuxième, je préfère lundi, parce que je ne suis pas encore sur Abidjan. Ok, je vous remercie. Avant de lancer les lectures, j'enregistre certaines lectures, ça va aider les autres après.
Ok, on va lancer. Donc bonjour, le jour même j'ai fait le bain de pipi, j'ai fait une diarrhée. Oh oh, waouh. Waouh, ça t'a sûrement libéré des mauvais sorts. Oui. Ok, on va faire Topia. Bonjour Topia, t'as demandé une lecture de carte, chose que je vais faire. Donc, tu es une personne qui est censée être connue. Donc, tu as cette énergie de célébrité qui est sur toi normalement. Mais bon, je vois aussi beaucoup d'attaques mentales. Je libère tes chakras, je libère ton énergie de toute impulsivité, manipulation. Peut-être que tu es dans une relation. Je vois aussi beaucoup d'argent qui est censé venir. Beaucoup d'argent. Tu es censé être bien, à l'aise. Tu vois, j'ai des personnes qui ne manquent pas financièrement. Mais malheureusement, tu es aussi entouré de personnes qui sont très jalouses de toi, qui connaissent qui tu es, ce que tu portes. Mais toi-même, tu ne connais pas qui tu es. Donc, ce manque de connaissance de toi, je peux dire que c'est un peu un handicap que tu as. Mm-hmm. Tu compatis trop à la douleur des gens. Et c'est ça qui te bloque parfois. Tu comprends? Donc, quelqu'un peut prendre ta chose et pas avec, tu le laisses. Parce que tu te dis, bon, voilà, tu diminues un peu de ce côté-là. Et je vois aussi comme si on a abusé de ta gentillesse parce que c'est un peu comme si c'est des contrats que tu as passé avant de venir. Il y a des contrats d'âme avec certaines personnes. Vous deviez vous voir pour vous enseigner des leçons dans cette vie. Et du coup, tu as une sorte de prison qui t'a été peut-être prison de religion ou de famille. Quelque chose qui... dans lequel tu es né. Et ta mission, en fait, c'est de briser cela. C'est de sortir de cela. Voilà. Voilà, tromperie. On montre encore la tromperie. Et tu es quelqu'un que tu ne travailles pas beaucoup sur toi. Normalement, dans le commerce, tu devais prospérer depuis longtemps. Mais je vois comme si tu ne travailles pas assez sur toi. Tu es un peu négligente. Tu ne prends pas du temps. Quand tu as des choses à faire, tu ne prends pas du temps. Les bains de sel, par exemple, je ne sais pas si tu en fais, mais j'ai l'impression que non. Soit tu n'en fais pas assez, mais tu es censé avoir beaucoup d'argent, tu es censé faire le commerce. Donc, tu es aussi une personne très, très connectée, donc genre, tu es très inspirée. Et tu es aussi très, tu es connecté aux astres. Oui, demande un lavage fondation, parce qu'il faut te déconnecter. Un rituel pour couper les cordes, un lavage fondation. Et tu demandes un kit fondation. Après, tu prendras un sacrifice de coq et une offrande à l'eau par la suite. Bonjour, bonjour. Je ne lis pas les gens qui ont, je lis ceux qui ont payé. Tu as compris, Alice? Si tu viens d'arriver sur ma page, je te donne l'info. Salut Dorcas, je crois que tu as travaillé sur toi récemment parce que tu viens à peine de payer et je te lis maintenant. Ok. Tu as beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Opportunités de collaboration avec de grandes personnes, potentiellement même moi, mais tu es quelqu'un qui doute beaucoup d'elle. Donc il ne faut pas laisser tes... Donc les opportunités sont en train de venir à toi. Tu en as beaucoup qui vont se présenter. Mais ne laisse pas ton ancienne façon de penser ternir, abîmer ou encore endommager ces opportunités qui sont en train de se pointer. Donc, il y a tu dois faire des papiers, peut-être créer une entreprise ou bien tu es en train de vouloir lancer un business et là, tu es dans la phase de finalisation. Mais tes guides te demandent de vraiment te connecter parce qu'ils ont des directives qu'ils vont te donner. Le business, tu ne dois pas le gérer comme tu veux. Donc, je vois un peu comme si tu as l'intention de faire... Je vois un peu comme si tu as l'intention de faire le business à ta façon. Mais là, on me dit de te dire non. Demande à tes guides de te guider. Demande-leur de te montrer. Et si tu rencontres une adversité, prends un peu du recul. Essaie encore. Voilà. Je vois que tu as tes dons spirituels qui sont vraiment en train de s'ouvrir. Vraiment. C'est un peu comme si peut-être tu as commencé un truc avec quelqu'un qui devait... Vous devez travailler ensemble. Et là, c'est en train de se gâter.
Donc ils me disent de te dire que ce n'est pas du hasard. Ok? Ce n'est pas du hasard. Tu es aussi censé faire dans le commerce. C'est, tu le sais, c'est pour ça que tu as lancé ce que tu as déjà commencé là. Maintenant, tu veux aussi approfondir. Parce que ton travail spirituel, tu as commencé, mais tu n'as pas encore fini. Il y a beaucoup de choses que tu vas approfondir. S'il vous plaît, mettez-moi un chapeau d'op dans mon sac. Je dois partir avec ça en Côte d'Ivoire. Mettez-moi un chapeau d'op. Et puis les bâtons de commandement en forme de sirène là. N'oubliez pas ça. Je vous pénaliserai pour ça. Il faut encore faire une offrande à l'eau. Ça, le production a compris. Madame. J'ai dit à ça, le production, quelque chose, vous avez suivi. De production. Oui, madame. Dépêchez-vous, venez. Qu'est-ce qui se passe avec votre talkie-walkie? Ne ferme pas la porte. Hein? Madame, vous êtes où? Pourquoi je ne vous vois pas sur les caméras? Je suis là, madame. Les autres sont où? Les autres sont en pause. Miss Alice est allée au marché. Le matin, elle est partie chercher les pieds là. Miss, c'était Miss Manto qui était sur. Elle a vu. Elle n'a pas trouvé. Ok, pas de problème. Merci, bye bye. Qu'est-ce que je voulais savoir? J'ai dit quelque chose à, votre, à ça depuis production. Vous avez suivi? Oui, madame, les bâtons de commandement étaient de sirène. Nous avons passé la commande. D'accord. Ne vous dérangez pas, je pénalise. C'est, là, c'est là-bas qu'on sent si j'ai parlé ou pas. Ah, bien. Merci. Non, elle connaît. Bye. Bonjour Serge, tu t'as demandé une lecture. Hey, l'argent. Monsieur, tu es censé être riche, bien même. Maintenant, il y a une chose qui bloque ton argent, le fait que tu aimes trop aider les gens. Je suis désolé, mais bon, tu aides les gens qui veulent te bloquer. Tu aides les gens qui veulent te bloquer, c'est tout ce que je peux te dire là-bas. Il y a aussi beaucoup de situations imprévues qu'on est en train de mettre pour te ralentir. Tu es censé faire le commerce. Tu attends quoi depuis? Tu as l'esprit très résistant. Tu n'acceptes pas l'adversité facilement. Non. Quand ça ne marche pas, tu n'acceptes pas. Ça, c'est bien. Tu seras très riche. Tu seras très riche. Voilà. Et bien, il faut que tu travailles sur toi. Je vois si tu ne travailles pas assez sur toi. Même pas. Tu ne travailles même pas. Pourtant, tu es un leader. Tu es quelqu'un que tu es censé être un pionnier dans le domaine dans lequel tu fais. Voilà, tu es censé être le premier à faire telle ou telle chose. Et on montre aussi que tes idées de business viennent directement du ciel, en fait. Tu es très connecté aux astres par rapport à ça, les idées de business. Et tu es aussi quelqu'un qui va éclairer d'autres personnes. Donc, quand tu fais des trucs, on t'imite beaucoup. On aime beaucoup copier ce que tu as commencé à faire. C'est pas par hasard, c'est parce que tu es un pionnier, en fait. Demande le kit des envoûtements. Tu demandes un rituel pour couper les cordes et un lavage fondation. Après ça, tu vas demander un lavage de désenvoûtement. Voilà. Allez, non, moi je vais te bloquer. Continue. Vous n'aimez pas payer pour les choses. Vous voulez savoir le gratuit. Le gratuit, là, tu veux prendre ça où? Tu veux prendre ça où? Dans la maison de mon père. C'est là-bas que tu vas prendre ça. Quand
Clarisse, tu as une étoile très joyeuse. Et ça, ça a beaucoup dérangé les gens dans ta famille. Tu as beaucoup de jalousie familiale, beaucoup de mauvais œil, jalousie. Et tu attires aussi souvent même les mauvaises copines, les personnes qui vont venir vers toi. Donc on va dire que tu attires les copines qui sont jalouses de toi. Elles font semblant de t'aimer, mais à la base, ce n'est pas le cas. Tu es censé voyager. Oh my goodness, j'ai parlé de jalousie. Voilà encore la carte de jalousie que je tire. Voilà, tu es censé beaucoup te déplacer, c'est-à-dire, tu n'es même pas censé être au pays. Je crois que tu es au pays actuellement, mais tu n'es pas censé. Voilà, tu dois faire tes papiers. Peut-être que tu as commencé, peut-être pour le Canada, il faut que tu continues. Tu dois aussi changer de voie parce qu'il y a des conseillers négatifs qui ont pour but de te fatiguer, de te démunir. La lecture de cartes, c'est 22 000. De te démunir, de t'escroquer ou bien encore, je vois des personnes qui peuvent savoir que peut-être tel homme est mauvais pour toi et les gens là t'amènent là-bas. Genre, ok, sors avec lui. Je vois aussi quand tu ne travailles pas sur toi, lance la poule au village, fais un salaka sur la tombe de tes grands-parents. Et tout le travail que tu fais, en fait, on a fait un peu de telle façon que tu travailles, mais tu ne vois pas le résultat. Un peu comme ça qu'on t'a bloqué, en fait. Oui. Et tout pour toi, c'est que c'est ça, toujours du. Il faut travailler sur toi. Il me montre deux fois que tu dois travailler sur toi. Et je vois beaucoup de fatigue. Oui, mais tu es aussi une personne très résistante. Parce que sinon, je crois que tu ne serais même pas en train de... Tu n'aurais pas demandé de lecture. Sinon, tu aurais abandonné, quoi. Voilà. Tu es quelqu'un qui va impacter, marquer les gens. Quelqu'un qui va être connu, quelqu'un qui va aussi aider la communauté camerounaise ou africaine, je ne sais pas dans quel pays, mais tu vas aider la communauté. Voilà, tu as des projets, tu as beaucoup d'idées. On demande un kit fondation, ça va t'aider pour briser les malédictions familiales. Et ne fais pas d'enfant tôt si tu n'en as pas encore. Si tu en as, pas de soucis. Quand vous venez dans mes lectures, ne venez pas me déranger. Je lis les cartes à ceux qui ont payé, je ne lis pas les cartes gratuitement. Alex, c'est pareil pour toi. Je pense que si vous n'avez pas 20 000 francs pour honorer mon don, pour que je vous lise, on n'a rien à se dire. Parce que malheureusement, les personnes spirituelles pensent que les dons que si tu as reçus, tu me dis que j'ai reçu peut-être gratuitement. Qu'est-ce qui te dit que j'ai reçu mon don gratuitement? Il y a un prix à payer derrière. Quand certaines personnes jeûnent, vous ne jeûnez pas. Quand on parle à certaines personnes que partez donner ça à tel endroit, faites des dons ici, faites, vous ne faites pas. Ben voilà. Totaliser l'argent qu'on doit lui donner aussi à lui. Donc, elle va retenir son argent quand il finit d'avoir l'expédié avant qu'elle lui donne son argent. Donc, comptez aussi sa commission à lui. Vous mettez pour sa commission 9 euros.
Bon, je conduis la lecture. Je bénis ta dîme au nom puissant de Jésus. Tu veux pas que je te donne l'adresse de ma copine en France pour que tu lui fasses l'envoi? Si tu lui envoies ça là-bas, et comme ça, elle peut me le renvoyer. Ok, ask Mr. Roussel if we can send through their services again. Because that will help for a lot of things. Power on. Two. Groupe publication, vous faites quoi pendant que je suis en direct? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Groupe publication, dites-moi. Vous n'avez pas tout le réseau, c'est ça? Non, madame, nous sommes sur le direct. Pourquoi c'est une autre personne qui va venir répondre à votre place? Continue les lectures. Tano. Salut ma chérie, t'as demandé une lecture. Bon, tu es une personne qui est assez ouverte, si ce n'est vulnérable, à la tromperie, ok? C'est facile pour certaines personnes de venir et de te tromper, voilà. Je suis désolée pour ça. Mais tu es aussi quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est comme si même avant la naissance, tu es une ancienne âme, tu es une vieille âme. Donc, même avant que tu ne naisses, il y avait déjà beaucoup de... Je dirais ça comment? Avant que tu ne naisses, tu étais prédisposé à ne pas succomber. On m'a dit comme ça. Donc, tu as beaucoup de pression, beaucoup de tension, mais tu n'abandonnes pas. Ah, j'aime pas les mouches dans ma maison. Je crois que les jours, ces derniers jours, tu as été entraîné à être seul. Cette isolation ou encore le fait que tes choses ne marchent pas comme tu veux, c'était pas par hasard. Oui. Donc tu as aussi une prison, une sorte de prison spirituelle que l'ennemi a un peu tissé, même avant ta naissance pour toi. Et tu es très spirituel, donc tu as une façon assez spirituelle de voir la trahison, l'abandon, le rejet, le refus. Mais il va falloir aussi que tu comprennes que tu n'es pas censé accepter toutes les mauvaises choses. Donc, on me dit qu'il est temps que tu reprennes ta vie en main, que tu replanifies tes choses. Tu dois faire dans l'entrepreneuriat, tu dois lancer des activités, ok? Tu dois faire des formations et toi-même, tu dois aussi former d'autres personnes. Peut-être lancer une activité où tu vas former les gens. Voilà. Donc, demande un kit des envoûtements, tu prends un kit commerce aussi et tu demandes un lavage à distance. Et un rituel de détachement. Allô, papa.
Et j'ai un business là qui est en train de se concrétiser. Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour, je me présente Jocelyne Kouo. Voilà. Donc, j'ai vu une vidéo de l'emplacement et je voulais savoir, parce qu'on m'a dit que c'est à la gare.